Aujourd'hui, je vais regarder mon test ADN qui est arrivé enfin au bout d'un mois. Je vais savoir d'où je viens et qui étaient mes ancêtres et j'ai très très peur. Donc, je vais cliquer dessus. Gérer les kits ADN. Alors, déjà que ça marche. Voilà. Et attention, les résultats sont prêts. Alors. Maintenant, faut trouver la section pour avoir les résultats, pour les afficher. Alors. Oui, et alors, on fait quoi? Pourquoi ils sont prêts? Et on regarde où là, parce que les résultats sont prêts. ADN. Découverte ou recherche? Non, Sur les c'est sections. découverte. Ma recherche, peut-être. Alors, présentation. Les résultats sont prêts. Ah, il y a peut-être des cookies, mais je ne sais pas. Ça va rien changer. En fait, alors. Alors. Je suis où, là? T'as les résultats, mais il faut les retrouver maintenant. Faut les retrouver maintenant. Peut-être dans l'accueil, ce sera peut-être mis. Hein. Événement. Ah, bah attends, peut-être là. Alors. Résultat ADN. Ah, voilà. Voilà. Alors. Vue globale. Oh là, j'ai déjà des petites cousines, alors attends. Alors déjà, vue globale. Oh là! Oh! Je suis ibère, c'est-à-dire espagnole et portugaise, à 72%. Wow. Bon, ça, tu vois, c'est le Pays basque, ça. Ouais. Je suis ouest et nord européenne, à 14%. Et Wow. anglaise, à 14%. Anglais, j'aurais pas deviné, hein. Alors, moi non plus. Alors, l'estimation complète. Alors. Ah ouais, je pars de là. Donc je fais, il y a Espagne et certainement Portugal puisque c'est l'Iber. 72%, c'est énorme. Ouais, Donc j'avoue. j'ai bien un côté espagnol ou portugais, mais je suis sûre que c'est basque et espagnol. Après, ça se voyait plus quand t'es plus jeune avec ta peau plus Et quand mate. même, j'ai quand même un côté Europe du Nord et de l'Ouest. Donc j'ai l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne avec le Danemark. J'ai 14%. Pas de Finlandais, hélas, ça aurait été drôle. Non, 28%. Non. Et Angleterre, 14%. 14%. Oh, non, il regarde l'Irlande, elle est complète. Enfin, donc, j'ai 14% anglais. Irlande, c'est juste. Non, c'est pas l'Irlande, Non, et là, Ouest et Nord européen, c'est Danemark, Germanie, Pologne, Australie. C'est fou, ça. Donc, on fait comment après pour. On revient par là. bon, Donc, l'estimation complète. Alors, la correspondance ADN. Ah, oh, non, mais... putain, j'ai un petit arrière-arrière-cousin. José Luis, José Lo. Il est où? À Bilbao. Ben, je savais bien parce que c'était en Argentine ou un truc comme ça. Ah ouais, et comment on descend? J'ai pas de flèche. Tu descends comme ça avec deux doigts. Ah d'accord. Mae Even, petite cousine arrière-arrière-petite cousine. Amusant. Elle est où? Elle. Oh, c'est Barreau, je sais pas où c'est. Enfin, je sais pas. Maider, petite cousine. Elle est en France, elle. Pas plus facile à contacter. Tu descends avec deux doigts. Deux Ah doigts. oui, deux Deux doigts. doigts. Ah oui, comme ça. Mais deux doigts, non, deux doigts comme ça. Non, comme Ah, ça. d'accord. Ah, j'en ai une aux États-Unis. Ah. C'est encore Teresa Chavarria, donc c'est petite cousine, arrière-petite cousine. Ah. Tu vois, je savais que j'avais des gens qui étaient aux États-Unis. Petit Donc, cousin lointain. encore un petit cousin, mais là, il est plus lointain. Peut-être que je trouverai une sœur, on sait jamais. Ou un Oh, frère. m'étonnerait, là. Là, j'ai un. Cussac Françoise, alors elle, je sais pas où elle est. C'est fou ça. Maman, non, Non. non, 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 non. Arrête de faire des bêtises. Tu utilises deux doigts. Tu ne sais pas utiliser deux doigts. C'est ça. Là, là, là. Quand même ça. Regarde.
Olivier Klein, petit cousin, lointain. Bon, tu vois, c'est encore ça, c'est des lointains. J'en ai quand même, hein. Beaucoup. J'en ai pas mal. Ah, wow, 38 pages. On va peut-être pas toutes les faire, hein. Tu veux pas trier par les personnes qui sont le plus proches de Ben, toi? c'est les premières. Ah, c'est les premières. Et après, c'est les plus loin, parce que là, c'est arrière-cousin, petit-cousin. Donc, faible de niveau de confiance. Mais plus ça va, plus ça, les premiers sont les plus proches. Pertinent, ok. Petite cousine lointaine, l'autre c'était arrière très lointaine. Donc, Et pourtant, les premiers, c'était arrière. Non, 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 c'est comme ça. Attends, je peux trier, filtrer. ouais, tu vois, de Bilbao, lui, putain. Peut-être filtre ou pour voir. Filtre. Tous les lieux, toutes les religions, non, mais c'est tout, Ah, tout, étrier. tout. Étrier. Nom complet, le plus récent, peut-être. Ah, possible. Mélanie au lab, la vingtaine en France. Ah, peut-être qu'elle a fait juste ton test récemment, en fait. Ouais, aussi, donc. Je pensais plus ça. Ah, c'est Alors, intéressant. origine ethnique, on n'a pas tapé, là. Si on avait fait ça. Mais si on l'a fait ça. Maman, deux doigts. Deux doigts de la même main. De la Ouais. même main. Voilà. Waouh. Il y a quand même. Ah non, pas, j'espère pas l'être. Et ça englobe quand même. Hein. Ça fait Italie, France, Espagne. Donc c'est bien ça. Ensuite, l'Angleterre. Et Allemagne, Danemark, Pologne. Pologne, c'est Pologne et Australie. Waouh. Les dents, ça Intéressant. fait drôle, hein? Non, mais écoute, merci Stelle pour m'avoir enregistré. Bah écoute, Rien, mais ça je m'en doutais hein, pour l'Espagne. de rien. Pour les Pays Basques. Confirmation. C'est fou ça. Mais ça englobe, hein. C'est vrai. Ah, l'intro. Tiens, alors regardez l'intro, on n'a pas vu l'intro. Ah voilà. Martine, prête à explorer. Ah, tu peux le filmer ça. Allons-y, tu le filmes? Bah, je compte toujours qu'on fasse Allez, hop! jamais, hein. Espagnol, Portugal. À demander. Anglaise à 14%. Putain. Quatorze % nord, ouest et nord européenne. Voilà. Anglaise, alors là, je suis épatée. Pourtant, ton accent, on m'aurait pas dit. C'est quand même grand, un hein, ouest et nord européen. C'est Hein. Tu vrai. vois, quand je t'avais dit que ma mère, il y avait du côté allemand, du côté de chez ma mère, tu vois, j'en étais sûre. Donc, il y a du sang allemand chez ma mère, chez les 10. Donc, ouais, ça englobe pas mal, hein. Ça C'est fait quand vrai. même toute la partie nord-européenne. Ça, c'était sûr avec ma... Ça, c'est ma grand-mère, du côté de mon père. Elle était basque. Donc, basque, espagnol, bon, c'est Portugal, j'en sais rien. Mais Espagne et Pays basque, on était sûr. La grosse surprise, c'est le côté anglais. Et tu vois, c'est 14% pareil. Oui. Ouest, nord européen et anglais, c'est le même pourcentage. Amusant. Écoute, tu peux l'envoyer à papa. Ça marche, on va finir fin de la vidéo du coup. Bah ouais. Étant l'origine ethnique complète, on l'a fait. Oui, je crois qu'on l'a fait, maman. Non, c'est comme ça en bas. Ah oui, on l'a fait. Du coup, Bon, tu peux. tu dis au revoir à la vidéo. Au revoir vidéo. Ciao, ciao.